Bonsoir. Bien la bonsoir. Allez, on va se faire un petit kiff à l'ancienne. J'allais dire Super Mario. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Un petit Aladdin. Ça fait longtemps. Passer tout de suite. Voilà, on va pas passer de temps. Faire un petit. Alors. J'ai cru comprendre que certaines personnes préféraient la version Mega Drive. Ouais. Les gens, ils ont des mauvais goûts, hein, c'est tout. On n'y peut rien. Le meilleur son de Capcom de tous les temps, hein. On va pas se mentir. Bienvenue à Agrabah. Ville mystérieuse et enchanteresse, ayant les plus belles marchandises de ce côté-ci du Jourdain. Ah tiens, je savais pas que ça se passait. Seul l'objet rare te satisfera, je constate. Prends donc la peine de contempler ceci. Comme pour le bien des choses, ce n'est pas l'extérieur qui compte, mais l'intérieur. Jadis, cette lampe modifia le destin d'un jeune homme. Après tant d'années de recherche, enfin, la caverne aux merveilles, souviens-toi, le reste du trésor t'appartient, la lampe est à moi. On dirait le bruitage de Ghosting Goblin au passage. Qui interrompt sommeil? Et moi, Kazim, un modeste voleur. Écoute bien, seul peut entrer ici celui qui suspecte pas. Tel un diamant brut. Donc un seul peut entrer, et je dois le trouver. Le diamant brut. Quel enfer. Un diamant d'innocence. Non, écoute cette musique. Hein. La Super NES, ok, elle avait des bonnes musiques. Pas comme cet enfer de la Master System. Alors, le tableau de bord. J'avoue, niveau sonore. Non, on est d'accord. On est complètement d'accord, au moins sur ça. Déjà pas mal. Donc plus qu'à te faire comprendre que c'est la vraie bonne version, puis on sera bien. Option. Foncer. Sauter. Jeter. Planer. Moi, à l'époque, c'était pas compliqué. Jamais! Tu
me remette aussi les bonnes touches. Je peux pas grimper de... De retrouver un peu les fields. Ah oui. Oh. Bah pourquoi tu ne leur donnes pas des coups de sabre? Ah oui. Eh bah oui, mais regarde, est-ce que Aladdin, dans le dessin animé, il lançait des coups de sabre? Non, je ne crois pas. Voilà, ça veut tout dire. La meilleure version, la plus fidèle, c'est la Super NES. Voilà. Les enfants qui ressortent la vieille guerre des consoles d'antan. Oh, j'étais dessus. Alors, c'est vrai que jouer avec les analogiques, c'est pas la meilleure idée qui soit. Hein. Peut-être switch en... Ah, peut-être switch en... avec le pavé en quelques minutes. Dans la version bretonne. Et là, on espère tous que personne n'a les idées mal placées, que c'est bien le doigt du génie. Hein, parce que ça peut prêter à confusion, on va pas se mentir. Allez. Oh, dommage. Dommage, dommage. Ils volent du pain dans le dessin animé. Moi, je pense qu'ils ont mis un disclaimer. Oula. Un disclaimer sur Aladdin, sur Disney+. Quel kill.
De quoi? À proposer de quoi? Ah oui, pour sur Disney Plus, parce que ça ne représente pas les vraies communautés, machin. Enfin, toute la bien-pensance que Disney est capable de faire pour essayer de se racheter des clichés de l'époque. Quoi. D'ailleurs, même sur les Aristochats. Pour dire oui non les Français en fait ils battaient pas les animaux en parlant du laitier bah ouais et ouais c'est tout ça et du coup re Isha et re coucou Osso. Vois les VIP là. D'ailleurs Isha faudra que je te passe VIP avec les abonnements, j'ai débloqué des nouveaux slots. Vivement le passage avec les génies là. Oup. Non, on peut pas. Quand même, sur Super NES, on pouvait s'accrocher. Assassin's Creed n'a qu'à bien se tenir. J'ai presque envie de faire du speedrun sur ce jeu. On va aller chercher le pain. Un coup à tomber. C'est comme les dans Donkey Kong Country, il y avait un délire comme ça où il fallait faire une espèce de, il y avait une manœuvre pour aller récupérer des lettres et des trucs. Il fallait faire une roulade dans le vide et en fait on pouvait déclencher le saut dans le vide. J'ai mal au cœur. On a quand même 98 pommes. Hein. Et ça c'est bon. Ah. Oui, c'est là. C'est Honda de Street Fighter. À bout. C'est en mode boxeur punch out. C'est rare. 3 coups. Plus de 3 coups, tiens. Et 1000 sabres, c'est ça. En fait, si on tend bien l'oreille, il dit oula, 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 oula. Est-ce qu'on retient les mots de passe? Il va falloir. Hein. Il va falloir. Alors. Génie. À bout. Aladdin. Et Harry Potter. Voilà. C'est trop ça. La princesse du Qatar. Aladdin et Jasmine,
échappe aux gardes du sultan et se réfugie chez Aladdin. Sur les hauteurs d'Agrabah, ils admirent le panorama et discutent de leurs projets futurs. Alors en fait, là, je vais construire un building, et là, un autre building, et là, une île avec en forme de palme. Hélas, les gardes le trouvent et enferment Aladdin. Dans le donjon du palais, ils ramènent Jasmine à son père, le sultan. Il est hors du question qu'un nouvel investisseur arrive au Qatar. Aladdin est jeté dans la cellule la plus inaccessible. Il mettra juste 5 minutes à s'échapper. Il n'arrête pas de penser à sa belle princesse. Un vieil homme étrange apparaît et propose de libérer. À condition d'aller dans la caverne aux merveilles. Trop heureux de sortir, Aladdin ne réalise pas que cet homme déguisé n'est autre que Jafar. Tintintin. Coucou Samy. Alors, allez, c'est parti. Mauvais timing. Bon, on s'en fout, hein, des scores. La touche qui n'a pas sauté. Jafar, je suis coincé. C'est trop ça. Aladdin, le prince qatari, il veut faire du business, hein. Et qui a trouvé un bon parti avec Jasmine. Mais non, il est pas cassé. Il est parfait, ce jeu. Tu vas pas me dire aussi que toi aussi tu préférais la version Super NES, hein. C'est exactement ça. J'ai tenté. Abou veut qu'on se suicide. On écoute Abou. On a trouvé l'entrée de la Moria. Je pense que c'était la meilleure, mais constater que la version Mega Drive est meilleure. Ah là là là. C'est dommage, hein, de s'abonner il y a si peu de temps et de déjà être ban def de la chaîne. C'est officiel. C'est un peu le ban def, c'est un peu le jet de sauvegarde de constitution quand on est en JDR, c'est plus ou moins pareil. Quel danger. What?
Le mec prend des risques. On va pas trop prendre de risques. Oh. Donc dimanche, exactement. En fait, l'abonnement donne un jet de sauvegarde. J'ai de sauvegarde contre la mort gratos. Je devrais le mettre d'ailleurs dans les poids de chaîne. Un jet de sauvegarde contre la mort gratuit. Wouhou. Je sais plus si on peut. J'ai d'abonnement, c'est exactement ça. D'ailleurs, il y a la. Il y a l'emote. Réussite critique. Hein, qui, du coup, n'a pas encore été utilisée. Enfin, officiellement, dans les bonnes conditions, je veux dire. Alors, ça. Donc, Bambi, Mickey, Jasmine et. Et Dingo. Très bien. Fidèle. Ou en tout calmer. Aussitôt qu'Abou touche à la gemme, la caverne s'effondre. Oh toi, donne-moi directement un RIB. Hein. Fais un virement par mois, ça sera mieux. Il faut absolument qu'il sorte. Ce jeu est génial pour une raison, c'est que si tu veux avoir de l'inertie, t'en as, mais si tu veux pas, bah y'en a pas. Waouh! Ah bah je croyais qu'on mourrait direct. Bon allez, un peu de concentration quand même. Ça me semble. Elle a un peu pensé aux musiques de Ghost and Goblin, hein, on est d'accord. Hein. C'est Capcom aussi, je crois, hein, Ghost and Goblin, si je me trompe pas. Hein. Rien qu'un morceau de pain dans ta tronche. C'est pas un infogramme. Ah bah écoute, c'est possible qu'il y ait du infogramme. Il y a certains jeux que j'aimerais bien refaire. Le démon. Ah.
si proche du but. Ah. Non, non, mais après, vous êtes méchant avec Infogrames parce qu'il y avait des bons jeux. Hein. Il y avait. Non, pas Tintin. Non, Astérix non plus. Les Schtroumpfs. Non, les Schtroumpfs non plus. Lucky Luke non plus. c'est d'accord que Infogrames, c'est. Je l'ai déjà téléchargé. C'est prévu de le faire parce que en vrai, je l'ai jamais fait. Ouais, je crois. Mais en fait, il y a très récemment, ils ont refait une compile sur la Switch. Avec justement les deux en un. Aucune idée. Je t'ai dit, j'ai jamais eu la Mega Drive, donc. Ah, moi j'ai un souvenir vague. Encore une fois, c'est bien le doigt du génie. Hein. Ce n'est pas autre chose. Et j'ai souvenir d'un passage avec des singes où tu dois partir dans différentes directions et j'ai ce souvenir là. Peut-être. Alors peut-être. Non, toujours pas. Oui, on est d'accord. Il y a un doute. Il manque un doigt, hein, si on fait attention. Alors. Est-ce qu'on le first try ou pas? Les années de Dark Souls, c'est pas Tintin, c'est pas Aladdin qui va nous faire peur quand même. Après, c'est vrai que dans la version Mega Drive, c'était les vraies versions des chansons. Alors que là, c'est plus une réinterprétation. Oui, bah, il tire quelque chose avec son doigt. Alors, Buzz l'éclair. Ensuite, Donald. Ensuite, Kyo. Et Pampan. Voilà. Tintin et Abou s'échappent et amènent la lampe à Jaffa. Mais celui-ci les piège et les enferme dans la caverne. Heureusement, Abou a pu auparavant subtiliser la lampe. Pour lire l'inscription sur la vieille lampe, Aladdin la frotte. Et pouf, un génie apparaît et déclare qu'Aladdin est son nouveau maître. Il invite Aladdin à pénétrer à l'intérieur de la lampe. On a failli éviter. Évite le pire, ça y est. C'est bon. Yaliababa, 40 volteurs, Sherazade voir l'histoire de cœur. Bon, on va arrêter, hein. On va se faire DMCA. Ça va faire boum, au feu, ski de champ. Franchement, c'était trop bien. Hein. C'est ses doigts. Hein.
Enfin, ce genre de truc-là comment ça s'appelle? J'ai perdu le nom, en speedrun, voilà. Ça doit être quelque chose quand même. Aller récupérer la petite frame d'apparition et tout, ça va pas être évident. Oh no. Qu'on peut atterrir sur leur tête si je me souviens bien. Ouais. Tu reconnais un bon jeu de plateforme au fait que t'arrives à vraiment faire ce que tu veux, quoi. T'as la maîtrise de ton personnage, quoi, parce que... Je pense qu'on fera peut-être le Roi Lion dans la foulée, hein. Non, j'ai jamais fait. J'ai jamais fait la version Mega Drive. En vrai, j'ai plein de jeux à rattraper en Mega Drive. J'ai fait quoi? J'en ai pas fait beaucoup en Mega Drive. J'avais un cousin qui avait une... Allez, on s'arrête là. 3 fois de suite, hein. J'avais un ami qui avait une Mega Drive, mais j'ai jamais trop joué... Quel coquin ce génie. Ah ouais, l'autre c'est plus action. D'accord. Bah écoute, franchement... Si on finit pas trop tard celui-là, je le one-shot, hein. Si on finit pas trop tard, j'essaierai de le télécharger pour voir les différences. Pour te prouver que la version Super NES... Non, je déconne. On finira peut-être avec du Ghost and Goblin. Non, je blague. Jamais de la vie. Je préfère relancer une énième fois Dark Souls plutôt que lancer ce jeu. Je peux pas regarder le chat là, mais... Un petit Dragon Slayer. Ah, en vrai, faudrait que je vous montre un... Parce que j'ai joué à un Dragon Slayer quand j'étais petit sur Game Boy. Ça n'avait rien à voir avec... avec Dragon Slayer que tout le monde connaît. C'était un... J'ai jamais compris ce jeu, en vrai. Faudrait que j'y rejoue pour voir... si c'était moi qui étais con quand j'étais petit, ou bien... Le jeu était infaisable, en vrai. Non, en vrai, faudrait que je fasse... Ah, j'ai oublié de dire. Faudrait que je fasse le Tintin... Temple du Soleil. Que j'ai déjà fait Tintin au Tibet. Voilà.
train de tout squeeze, mais bon. Lequel? Le Tintin au Tibet? En vrai, c'est pas exactement vrai, mais en partie oui, pour la simple et bonne raison que le dernier stage, il est timé à la... Allez, à 3 secondes près. Donc si tu n'as pas la soluce ou le cheminement parfait, bah tu peux pas en fait. Ah, Dragon Slayer, oui. En fait, si, c'est faisable, mais il faut prendre un cahier et dire « Ok, alors à cet endroit-là, j'ai fait ça, et du coup ça marche pas, donc il faut que je fasse ça. » Tu peux, mais... n'est pas amusant, on va pas se mentir. C'est loin d'être amusant. Allez, encore une petite étoile. Non, en vrai, c'est faisable, hein, mais... mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de chats. Ah. Le petit point de vie supplémentaire. En vrai, ce jeu aurait été vraiment génial, Dragon Slayer, si... si on te disait à un moment ou à un autre il faut que tu déclenches une touche, parce que le pire dans ce jeu en fait c'est que tu dois appuyer à les touches à des moments où c'est jamais marqué en fait. On te dit pas attention, là faites un choix, c'est jamais le cas. Un truc là-bas. Pas ouf ça. En poulet ça me va aussi. Ah d'accord. Je ne me souvenais pas de ça. Oh mais je suis con ou quoi? J'ai pas compris là comment il faudrait faire pour timer. Bon, on s'en est sorti, mais... bah alors, Dobby.
Grâce à un de ses trois souhaits, Aladdin demande au génie de le changer en prince, escorté par une superbe caravane. Aladdin, désormais le prince Ali, retourne à Agrabah en tant que prince et peut enfin commencer la construction de son building. Et assassiner le père de Jasmine. On chante ou pas? Je crois que c'est un sage bonus, ça, il me semble. C'est beau, putain. Rêve merveilleux. Quelle difficulté. C'est comme il y avait... Il y a un jeu aussi, c'est quoi? C'est La Belle et la Bête, je crois. Il n'y avait pas un JDG d'ailleurs sur... Dans le JDG Disney, je crois que ça parlait de La Belle et la Bête. Pareil, c'est un que j'ai jamais fait. Oh là. Donc ils avaient déjà... Ah ouais, c'est bien ce qui me semblait. On va arrêter de noter les trucs, ça sert à rien. Hein. Alors que tout était propice à Aladdin, Iago vole la lampe. Jafar, désormais le maître de la lampe, utilise ses nouveaux pouvoirs magiques pour expédier Aladdin aux confins de la Terre. De plus, grâce au fidèle Abou, Aladdin retourne à Agrabah pour affronter le diabolique Jafar et libérer Jasmin. Il y en a un aussi qui... Ah putain, il y en a... Il y en a un qui pourrait être sympa à faire aussi, c'est le... Il y avait un Mickey, où tu retraçais l'évolution de Mickey. Tu commençais en noir et blanc avec Steamboat Willie et tout. C'était sympa aussi, tu vois. En tout cas, c'est certain que c'est sur Super Nintendo, donc ça c'est certain que j'ai certain. Maintenant, peut-être qu'ils avaient le même sur Mega Drive, mais je parle pas du Castle of Illusion. Hein. C'est quoi la gueule de ces trucs? Castle of Illusion? Ah, peut-être. Celui de PS1? Je me souviens pas d'avoir fait un Mickey PS1. Quelle enflure ce Iago! Partout! Ah, Iago! D'accord.
Technique de Sioux. Mickey Wild Adventure. Ah non, j'ai pas fait non plus. J'en avais fait un, j'avais fait aussi le Mickey sur Wii. Où tu es avec. Comment il s'appelle ? J'ai Aldo dans la tête, mais je crois que c'est un comme ça. Oswald. Avec Oswald. Un genre de Mickey peinture, je sais pas quoi. C'est sympa. Le principe était cool. C'est un peu comme. C'est l'ancêtre de Splatoon en fait. Fallait colorier les zones pour libérer les passages et tout. C'était sympa. Ça avait le mérite d'être original. Petite vie, on va pas cracher dessus. Ouais, ouais. On a chaud les pieds là. Ah 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 ah. L'homme qui gride. Il a pas disparu, non? Mais non, j'ai pas voulu m'accrocher là. Ah. Allez, let's go. D'accord. J'ai le pattern. D'accord, c'est gauche-droite et... Je voulais essayer de le tweet, mais... Oh là 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 là. Glissé, chef. Mais c'est pas possible. Mickey Mania sur Mega CD, le jeu dont tu parles. D'accord. Ah, tu... ah Flo, peut-être, parce que... Mega CD, vache. Tout jeune ça. Dernier combat. Combien de temps ? 50 minutes. Ah, d'accord. Whoa!
Presque, hein. Ah ah ah, j'ai pas vu. Il avait des emplacements de sort encore. Oh, en fait, c'était pas la fin. En fait, ils ont craqué à la fin, ils ont fait crever Aladdin, Jafar épouse la princesse et tout, ça devient un désastre. Le génie est bien plus puissant que toi. Et voici mon troisième souhait. Je souhaite être le génie le plus puissant de l'univers. Ouais, je refais les vrais dialogues parce que, à mon avis, ils n'avaient pas les droits. Hein. Désolé, Al. J'ai pas souvenir de me battre contre le génie. Ah oui, je me disais. J'avais pas souvenir qu'il y avait un combat contre lui. En fait, j'étais pas prince, j'étais juste investisseur. Exactement. J'ai la ref. Je vais pleurer. C'est trop beau. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, j'ai toujours détesté le génie sans bracelet. Je le trouve design, le design est horrible. Sans les bracelets. Ça le boudine de ouf et tout, je sais pas, ça. J'aime pas du tout. Ouais, c'est précis comme haine. Ah non, mais j'envoyais des fléchettes sur le génie et tout. J'avais un poster de lui sans bracelet. Je l'avais accroché sur un punching ball. Je le frappais et tout. J'ai choisi le génie. Ah. Ah mince. C'était pas trop dans mes plans, ça. Ah bah non, on peut pas, il y a le Covid. Ouais. Ouais.
Abou, il est pas en confiance. Hein. Ah, c'est vrai que la deuxième moustache de droite. Ah, moi, c'est plus celle de gauche, mais. Bon, voilà. Alors. Ça, c'est fait. Je vais juste couper le live, histoire que je puisse isoler le truc pour le mettre sur, sur YouTube. Et puis, je reviens dans quelques secondes, et puis on va se faire. On va se tenter le Roi Lion. Ou le Aladdin Mega Drive. Allez, Aladdin Mega Drive, c'est parti. Le temps que je le télécharge, et puis dans quelques secondes, je suis là. À tout de suite.